C'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en live, donc d'accompagné d'un abonné. Donc je vais. Son nom, je sais plus, je l'ai perdu. Donc je crois c'est Ar. Je sais plus du tout son nom. Désolé à toi. Parce qu'en fait il me l'a envoyé par message sur le téléphone sur GTA. Et en fait, bah, comme on s'envoie des messages entre deux, je l'ai perdu. Je suis vraiment désolé. On appelle ça la grosse boulette du joueur. Donc c'est lui qui va être le chauffeur de la FAQ. Spécial les 1K, donc les 1000 abonnés. On va rentrer dans son garage. Donc il n'y a pas beaucoup de questions. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions. Donc sur son nom, c'est un YouTube. Il fait m'a laissé un commentaire. Donc c'est lui la dernière vidéo. C'est Naruto. Naruto. Donc en fait, il m'a donné son prénom, mais je l'ai perdu. Par contre, je ne sais pas où il est. Je le vois pas, je sais pas s'il est dans son garage ou pas. J'ai marqué que où. Ah bah c'est bon, le voilà. Voilà, le voilà. Donc c'est lui qui va choisir la voiture qui. Voilà. On va prendre sa voiture. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime comme ça. Alors si vous voulez bien laisser un petit j'aime, voilà. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, de partager. Désolé si je déforme votre prénom ou votre nom ou voilà. On va commencer simplement par la première question de Adam Ada, il s'appelle comme ça. Donc as-tu des envies à des moments as-tu des envies à des moments d'arrêter YouTube? Donc il demande si j'ai envie d'arrêter YouTube il y a des moments. Non, pas du tout, parce que bah j'ai pas vraiment envie de arrêter YouTube, parce que bah j'aime bien faire des vidéos, ça me fait plaisir de faire des vidéos avec vous et avec tout le monde, et faire des vidéos sur des genre des informations que j'ai fait il y a pas si longtemps que vous avez vu sur ma chaîne, parce que là aujourd'hui on est samedi, comme je fais la vidéo aujourd'hui j'avais mis une vidéo d'information sur les DLC, c'était fini sur YouTube. Donc du coup ça, je mets des informations et tout, donc non c'est pas mon but de. J'ai pas envie d'arrêter YouTube. Donc du coup voilà. Donc je réponds à ta question, non j'ai pas envie d'arrêter YouTube. Il y a des moments où je sais pas quoi faire comme vidéo. Des fois j'essaie de trouver des thèmes et tout, j'ai du mal à trouver. Mais sinon non j'ai pas envie d'arrêter YouTube. Donc du coup voilà. Oubliez pas de laisser une petite note sur sa conduite. Donc voilà. Une note pour sa voiture, puis une note sur sa conduite. Deuxième question. Donc désolé vraiment si j'égorge un peu votre prénom ou pseudo. Wael. Ah non, c'est William DG. Ah, Chid plus quoi. Donc j'espère que je déforme pas trop votre pseudo. Désolé, m'envoyez pas. Qu'est-ce qui te pousse à faire des vidéos? Désolé parce qu'en même temps je regarde la route et je regarde l'ordinateur, donc c'est pas facile. Qui me pousse à faire des vidéos, bah c'est vous en fait, c'est tous les abonnés. Ça me pousse en faisant des vidéos parce que bah y a beaucoup en fait. En gros, comment je pourrais répondre à ta question, la détourner ta phrase. Ça me donne envie donc du coup parce que c'est. Désolé parce que je vous en même temps. Qu'est-ce qui me donne envie à faire des vidéos, c'est tous les abonnés que j'ai. Ça me donne envie de faire des vidéos parce que le monde qui les gens qui regardent mes vidéos, ça me donne envie. Et les personnes qui sont présentes en fait, c'est ça, chercher les mots. Les personnes qui sont présentes, ça me donne envie de faire des vidéos et du coup c'est pour ça que ça me pousse un peu. C'est vrai, je sais pas s'il y a des personnes qui se rappellent, il y a pas assez longtemps ça doit être juin l'année dernière. Début juin, j'avais du mal un peu, même décembre l'année dernière, j'avais du mal à avoir des abonnés. Je restais un moment pendant 2-3 mois à rester à 100 abonnés, voire voilà. Je vais pas vous mentir, je paniquais un peu, je me disais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. C'est ça le souci en fait. Et du coup maintenant ça marche, donc du coup ça me pousse un peu à faire des vidéos, ça m'encourage. Donc du coup c'est pour ça que je me mets, ça me pousse pour faire des vidéos. Et ouais c'est sûr, ça me donne envie et du coup voilà. Et c'est sûr qu'en début tu commences à pas beaucoup de vidéos d'abonnés et tu dis ouais est-ce que ça va marcher. Moi pendant un moment je restais bloqué
à 100 à 200 abonnés et je me demandais, je me disais, est-ce que ça a marché? Est-ce que voilà, c'est sûr, là tu te demandes, est-ce que bah voilà, est-ce que ça a marché? Est-ce que bah est-ce que ça va monter un jour? Est-ce que tu te poses plein de questions quand t'as du mal. Moi j'ai réussi avec mes vidéos, bah, c'est le souci, c'est les bugs que ça m'a fait vraiment monter. Quand je faisais des bugs, des petits glitches bugs sur GTA, c'est sûr, ça m'a aidé à faire des vidéos. C'est là que ça a monté le plus d'abonnés. Quand j'ai fait des courses aussi, là, les courses What the fuck, ça a monté aussi de. Comment ça s'appelle? Ça a monté aussi en abonnés, donc ça m'a fait super plaisir. Donc du coup, voilà. J'espère que j'ai répondu quand même à ta question. Donc du coup, voilà. Alors, troisième question de Naël Waba. Combien d'abonnés penses-tu avoir à la fin de l'année? Alors ça, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Donc là déjà je suis à 1000 abonnés, donc les 1K. J'espère arriver à la fin de l'année pour ouais, vraiment à la fin de l'année, soit arriver aux 5K, donc 500 abonnés, 1500 abonnés, parce que j'ai 500 abonnés, ouais, non, c'est petit. Soit les 5K ou 20 un peu plus. Donc je sais pas vraiment, je peux pas vraiment te dire. Voir un peu plus que, ou avoir même le niveau qu'ils ont les autres youtubeurs comme Bassanka qui a dépassé les grands. Voilà, il est dans les grands chiffres. Mais ce côté aussi qui sont un peu plus loin des 1000 abonnés. Donc pourquoi pas avant la fin de l'année, avoir les 900 ouais, les 900 000 abonnés, ou je sais pas, les 9K, moi j'appelle ça, oui, les 9K, ou voir un peu plus les 10 000 K, ou je sais pas, je peux pas te dire, je sais pas. Après on verra bien pour la suite, ça peut monter, ça peut, je pense que ça va bien monter. Pour l'instant voilà, ça marche très bien, je suis super contente d'avoir dépassé la barre des 1K. Et on est bientôt au 2K, les 2000 abonnés, ça fait super plaisir. Pourquoi pas dépasser la barre des 9000 abonnés avant la fin de l'année? Pourquoi pas, après voilà. Du coup, voilà, non, je sais pas combien je peux avoir. Je pense avoir d'abonnés avant la fin de l'année. Après, c'est juste. On verra bien par la suite. Quatrième question. Saladin. Moarsi, j'espère que je le prononce bien, désolé si je vous mouchifie, hein, si j'égorge un peu vos pronoms et tout. Du coup, tu as quel âge? Alors, mon âge, il a toujours pas changé, ça fait ma troisième FAQ, j'en ai parlé aussi, c'est quel âge j'ai? On m'a toujours posé la même question. Donc, j'ai toujours 19 ans, ça a jamais changé, donc ça a pas changé. J'ai toujours 19 ans. Ça fait un an que j'ai 19 ans, donc ça bouge pas jusqu'avant la fin de l'année. Je m'en vais sur 20 ans. Donc j'ai toujours 19 ans. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent savoir, j'ai toujours 19 ans, ça a pas changé. Il faut attendre la fin de l'année de décembre pour ça bouge. Pour je passe aux 20 ans, mais pour l'instant j'ai toujours 19 ans, ça a toujours pas bougé. Depuis ma dernière vidéo FAQ numéro 3. Donc du coup voilà. Aussi une petite information, si vous voulez que. Parce qu'on m'a. Il y a un abonné, je sais plus c'est qui m'a. C'est pas une question. C'est pas une question à FAQ. Il m'a dit, il faudra que tu fasses un peu plus d'FAQ. Donc je veux bien faire un peu plus d'FAQ. Mais là, du coup, c'est la question pour les 1K, donc les 1000 abonnés. Donc posez-moi des questions, s'il vous plaît, un max de questions sur Twitter, Facebook, soit sur Skype, sur. Instagram ou n'importe où, dans le commentaire d'une vidéo, posez-moi des questions pour la FAQ 4. Vous marquez hashtag FAQ 4. Donc vous marquez ça en commentaire sur Twitter, Facebook, Instagram ou sur Skype, ou en commentaire en dessous d'une vidéo, vous marquez hashtag FAQ 4 et vous me posez plein de questions, même si c'est des questions what the fuck, c'est pas grave. En moins, je pourrai faire des questions FAQ parce que moi j'adore. Parce que bah comme ça je pourrai vous répondre et comme ça vous me connaissez un peu plus. Et du coup voilà. Alors on va passer à la 1, 2, 3, 4, 5. 5 questions parce que je regarde en même temps la voiture et regarder en même temps l'ordinateur, c'est pas facile.
Mohamed. Ah, Mohamed. Oh, Mohamed. Attendez, que je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Mohamed Chiant. Non, c'est C-H-A-N-A-A. Donc, désolé si j'ai du mal avec vos surnoms des gens qui ont. Oui, les pseudo YouTube. Ah. Que pense ton entourage de tes vidéos? Bonne question. Ça, j'adore cette question-là parce que. Qu'elle pense mes entourages pour cette question? Bah, c'est que. Bah, mais en gros, bah, les personnes qui savent que je fasse des vidéos, c'est bah, mes parents, ma copine et. Comment ça s'appelle? Merde, attendez, je cherche mes questions, mes phrases. C'est que bah, ma mère a s'en tape un peu, mon beau-père, voilà, bref. Ma copine elle était pas trop chaude que je fasse des vidéos parce que voilà, c'est. On va dire, c'est les nanas, c'est normal, hein. Donc, que pense mon entourage? Bah, c'est. Voilà, c'est que ma copine n'était pas trop chaud au début que je fasse des vidéos, ça c'est vrai. Donc, je dis pas de bêtises. Je vous mens pas, elle était pas trop choquée que je fasse des vidéos parce que voilà, les filles sont toutes jalouses. Oui, mais tu vas parler des filles, patati, tu vas. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il pense mon entourage? Bah, il pense, voilà, ma copine elle pense à. Que comment ça s'appelle? Au début, elle était pas trop chaud. Maintenant, on va dire entre guillemets, elle me fout pas la paix, mais oui, elle me fout un peu la paix. Elle me pose plus des questions, elle s'inquiète plus un peu, mais moins devant moi. Voilà, c'est que faut pas qu'elle panique et à pas avoir confiance. Donc, du coup, voilà. Le reste de ma famille, bah, on n'en parle pas. Ils sont au courant, mais c'est sans plus. Après je connais du monde qui des amis. J'ai mon ami qui j'ai fait des vidéos, c'est un ami en enfance qui s'appelle Melvin. On a toujours fait des vidéos ensemble sur on a fait des vidéos ensemble sur Call of Duty Black Ops. Bah il me suit donc du coup il est content aussi parce qu'on fait des vidéos ensemble et tout. Après voilà, j'ai pas le reste de ma famille, après voilà, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup et voilà c'est. Même mes amis c'est pareil, c'est pas le sujet en fait, ouais. Et mon entourage, on va dire qu'ils s'en foutent un peu. Non, je peux pas t'inviter, je suis en train de faire une vidéo. Donc, du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu au moins à ta question. Donc, alors, bah, la cinquième question. Non, sixième question. Voilà, prise d'eau, FX9. D'un face comme Terry. D'un fesse comme. Alors, d'un fesse. Terry. Hein, d'un fesse comme Terry. Désolé parce que je regarde en même temps la console parce qu'en fait il est en train de friser, je crois, le mec. Non, c'est bon. Et je regarde en même temps si ça enregistre ma voix. Parce que j'enregistre ma voix avec Sony Vegas et je regarde en même temps, donc désolé. Est-ce que je vais faire un fesse comme Terry? Je pense que oui, pourquoi pas, à voir pour la suite. Donc je pense que je vais faire aussi des facecam, si ça vous intéresse aussi. Je réponds un peu à ta question, oui, face commentary, oui, je vais en faire. Comme des faces, je viens de le dire, mais j'ai perdu le nom. Facecam. Donc je pense que je vais en faire une, si ça vous intéresse, sur mes vidéos, je pourrais mettre ma tête. Pourquoi pas. Après, je pourrais faire ça, si ça m'intéresse, comme ça, vous pouvez me voir et. Donc du coup là ouais je ferai ça en vidéo. Une facecam. Je ferai peut-être ça aussi, une face commentary aussi. Donc du coup voilà. Oui je vais en faire une face commentary. Une face commentary, désolé. Du coup oui. Et comme une facecam je vais en faire aussi parce que bah je pense que si ça vous dit à vous de me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse une. Comme ça je pars montrer mon visage pour 100 ans de vidéo et ça peut être marrant, ça peut être. Voilà, ça peut être drôle et voilà. On pourra s'amuser comme ça et tout. Donc, du coup, voilà. Allez, on a fini dans les arbres. Mais n'oubliez pas de mettre une petite note sur sa conduite quand même. Hein, parce que je sais pas s'il a son permis, mais il est super dangereux. Alors, septième question. Je compte quand même parce que pour savoir combien on est à la quelle question on est. Donc, il en reste 3.
trois questions. Mimi, Alain, Mini, Mini, Monsieur, R, MR, quels sont tes projets pour l'avenir de ta chaîne? Quels sont mes projets? Bah, mes projets à venir sur ma chaîne, bah, c'est comme je disais que je veux faire des facecam. Après, le reste, je voulais faire, si je pouvais avoir un avant-média, un nouveau avant-média, parce que moi j'ai le premier, le gros carré avant-média, moi j'appelle ça le gros carré. Comme vous avez vu, je crois, j'ai déjà montré en vidéo, je sais plus. J'ai son avant-média là. Et en fait, on peut que enregistrer, il faut acheter un disque dur. Donc en fait, je voulais, pour mes projets à venir sur ma chaîne, en gros, je voulais que avoir un nouveau avant-média pour faire des lives sur Twitch, faire des lives, faire aussi des lives, des gameplays ou des petits lives. Continuer bien sûr mes vidéos. Changement après à venir sur ma chaîne, mes projets à venir sur ma chaîne. Faire des facecam, comme je disais, faire des lives. Si je peux avoir un nouveau avant-média, c'est pas mal. Soit il faut que je travaille et je me le paye, je sais pas, parce que j'avais demandé à ma mère et mon beau-père, en fait, ils sont pas trop chauds pour me l'acheter, donc voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, bah, je sais pas comment faire, et mes projets, bah, il y aura peut-être plus de vidéos. Donc du coup, oui, je vous disais, je peux pas filmer pour le moment sur la Xbox One, parce que j'ai la Xbox One, et en fait, bah, je peux pas filmer parce que bah, mon avant-média que j'ai, il va pas sur la Xbox One, il va sur Wii, PS3 et Xbox 360, pas sur la Xbox One. Donc du coup, pour le moment, je peux pas filmer la Xbox One. Ça sera un peu dommage, je pourrais faire un peu de vidéos. Sinon, pour les projets à venir, il y aura des vidéos de GTA, Call of Duty Black Ops 2. Il y aura aussi vidéo sur Max Payne 3. Et après, je vais voir pour récupérer des jeux pour le moment. Je vous dirai ça, vous allez voir, vous inquiétez pas. Donc mes projets à venir, il n'y a pas grand chose qui va changer sur ma chaîne. Je suis partenaire, j'attends la réponse, mais je vais être partenaire avec Gamoniac. Enfin, je chante et bon, voilà, vous avez vu, je crois, après juste mon intro, là, un 3E, il va tout faire péter. On va regarder ça, voilà. Du coup, je suis partenaire avec eux, j'attends juste la réponse et ça va être bon. Je pars vous faire gagner des petits concours, des chèques cadeaux et des trucs comme ça. Ils vont m'envoyer ça. Un chèque cadeau de 27 euros, je crois, ou 20 euros, je sais plus. Donc, je pars vous faire gagner des jeux concours. Je vais vous faire gagner en vidéo. Donc, du coup, voilà, il y aura un peu plus de choses, je pense, à venir après. À voir par la suite. Par la suite, à voir. Donc, pour le moment, je sais pas. Donc du coup voilà les projets à venir sur ma chaîne. Après, pour moi pour l'instant j'ai pas plus parce que comment ça s'appelle, je vois pas pour l'instant, j'ai pas de projet à venir pour l'instant, pour moi ça va pas changer. Et du coup voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question quand même. Il reste encore 3 questions. Donc Thomas Rousseau, oui Thomas Rousseau, venu à première question, il me posait 3 questions. Donc, veux-tu venir youtubeur? Bah, ça y est, oui, je suis youtubeur. Non, oui, je veux. Bah, je sais pas en fait si je veux venir vraiment youtubeur. Si je veux. Comment je peux en dire? Je veux pas faire ça non plus, mon métier. Je veux faire ça. Voilà, je veux pas rester. Moi, ça sera pas trop mon travail parce que je suis pas. En fait, je préfère vous expliquer. En gros. J'aime pas rester enfermé, donc du coup je ferai pas ça mon métier, mais je peux faire ça pour mon plaisir, pour voilà, je cherche quand même un travail entre deux. Donc je suis youtubeur parce que je fais des vidéos, voilà, et je suis beaucoup d'abonnés. Vous allez me dire ouais, mais youtubeur c'est faire sa passion et tout, faire son travail, c'est son travail, c'est voilà, c'est son métier. Moi c'est pas que je veux pas faire mon métier de youtubeur, c'est juste que bah, je veux travailler normal pour avoir du monde, découvrir du monde, voir autre chose. Et du coup voilà, ça sera pas mon métier youtubeur, mais je peux pas vivre youtube, youtubeur c'est marqué. Veux-tu vivre youtubeur? Donc du coup là, ça peut être un plaisir, c'est un loisir pour moi, c'est une passion de faire des vidéos. Ah, il a bugué. Ah, je sais pas si c'est la console qui a frisé. Ah si.
Ah, ah, j'ai un petit souci, attendez 2 petites minutes, on va couper parce que j'ai la console qui a frisé. Attendez 2 petites minutes, on va couper. Ah. Du coup, nous revoilà pour la deuxième partie. Désolé pour le petit bug qu'on a eu. Donc, je suis vraiment désolé parce qu'en fait, ma PS3 elle a bugué, je sais pas pourquoi, comme vous avez vu, mais c'est pas grave. Il nous restait donc, du coup, 2 questions. Donc, 2 questions de Thomas et il reste 2 questions d'abonnés. Donc, vraiment désolé pour le petit bug. Donc, c'est parti. Deuxième, donc, sa première question, veux-tu vivre de YouTube? J'avais répondu, c'est je vais pas faire ça mon métier, mais je vais faire ça comme une petite passion, loisir, et donc du coup voilà. Et du coup j'avais répondu à ces questions. Donc deuxième question, c'est comment t'es venu à l'idée, comment alors comment t'es venu à l'idée de faire oui comme attends, attendez, parce que je regardais en fait ce qu'il faisait. Alors comment t'es venu à l'idée de commencer des vidéos? Donc du coup bah ça m'a comment ça fait comment est venu à l'idée bah, c'est de regarder en fait comme je disais sur les autres vidéos d'autres FAQ que moi j'avais fait FAQ 1, FAQ 2, FAQ 3 j'avais dit dessus parce qu'on m'avait posé les mêmes questions j'avais répondu parce que ça m'avait donné l'idée de faire des vidéos bah, parce que bah, je regardais comme les autres youtubeurs comme Monsieur Cootie. J'en passe après il y a Bass104, FZaken, Bilo Santos, bon là comment c'est parti mon en même temps, mais Super Connard, Calypso, Voka, il y a tous les youtubeurs comme ça qui m'a donné envie d'en fait de commencer sur commencer à faire des vidéos. En fait ça a commencé l'année dernière à Noël, juste avant Noël. À la base mon frère il devait m'acheter GTA sur PS3. Et en gros, ça a commencé parce que je regardais sur YouTube des vidéos sur GTA. Et ça m'a donné envie de commencer à faire des vidéos. Donc, bah, grâce aux YouTubeurs, quand j'ai vu ça marchait bien pour eux, j'ai fait pourquoi pas d'essayer. Donc, du coup, voilà, ça a marché. Et du coup, voilà, pour ça m'a donné l'idée de faire des vidéos. C'est grâce aux d'autres YouTubeurs. Donc, grâce à Monsieur Cootie, Bassanka, et j'en passe. Comme j'ai dit précédemment, ça, voilà, ça me donne envie de faire des vidéos et du coup, bah voilà, ça m'a donné une idée et du coup, voilà, je regrette pas du tout. Troisième question. Quand la Xbox One, quand la Xbox One, comme vous avez vu, j'avais fait une vidéo découverte sur la Xbox One, mais ça y est, je l'ai. J'avais fait filmer ça avec mon téléphone. J'avais un souci. Je vous ai dit aussi pardon pour la qualité. C'est bon, j'ai la Xbox One, j'ai 2 jeux dessus, j'ai Call of Duty Black, Call of Duty ou Warfare, je crois. Ouais, c'est Warfare, je sais plus, bref, le nom. Et Assassin's Creed. Pour l'instant, j'ai 2 jeux, j'ai rien pour filmer, comme je vous disais sur les autres questions que je peux pas filmer pour le moment parce que bah, j'ai rien pour filmer. Donc, du coup, j'espère que je vais essayer de trouver un moyen pour filmer mes vidéos sur la Xbox parce que je veux faire des vidéos. Et du coup voilà pour le moment bah j'ai la Xbox One mais je peux pas filmer, je joue un peu comme ça mais je peux pas faire des vidéos. Donc je suis vraiment désolé s'il n'y a pas de vidéo sur Xbox One. Je suis vraiment déçu. Sauf si vous avez quelqu'un qui vend un intermédiaire pas trop cher et on peut faire des lives et tout, il n'y a pas de souci. Moi je veux bien. D'ailleurs, l'avant-dernière question, il reste encore 2 questions. Alors, question de. Il est en train de faire des couleurs, il s'amuse. Ouh, attendez, je fais de la fumée. Attendez, je lance. Yo, on fait de la fumée, les gars. Regardez. Je vous mets dans le ciel, les gars. Ce soir, on vous met le feu. Non, je rigole. Bon, le mec, il est parti sur la colline. Alors, il reste 2 questions. Anas Gassouf. Gassouf. Alors, la personne a posé des bonnes questions quand même. J'adore quand vous posez des bonnes questions. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Superflo. Non, je déconne, je m'appelle Florian. Donc Florian. Sinon, mon surnom c'est Flo. Mais sinon, c'est Superflo, voilà. Non, mais sinon, je m'appelle Florian. Tu as quel âge? J'ai répondu déjà à la question de Saladin. Je suis plus un YouTube, une personne telle. Oui, je crois que c'est celle. Salah. Saladin, je crois c'était mou, je sais plus quoi. J'ai toujours 19 ans. Donc ça n'a pas changé depuis tout à l'heure que on m'a posé la question. Voilà.
Comment tu t'appelles? Donc Florian, j'ai 19 ans. Tu filmes avec quoi? Un AvarMedia Game Capture. Oh non, AvarMedia. Le nom, je sais plus. Je mettrai en photo si vous voulez. Là, ici, en haut à droite, le nom de l'AvarMedia, la photo de l'AvarMedia. Donc je filme avec ça. Je sais qu'il est un peu pourri. J'ai pas, je peux pas faire autrement pour l'instant. Alors, ah, ça revient tout le temps à la même question. Qu'est-ce que t'as donné envie de commencer YouTube? Bah, comme j'ai répondu à Thomas Rousseau, ça m'a donné envie de faire des vidéos grâce aux youtubeurs, comme j'ai dit, Baïsankam, Bill Santos. Oui, mais Bill Santos n'était pas vraiment connu parce qu'on a commencé un peu en même temps, juste après moi il a commencé. Baïsankam, Monsieur Coty, Super Connard et tout, j'en passe. Bah, ça m'a donné envie de commencer les vidéos, comme je disais. Je vais pas répéter les mêmes phrases parce que bah sinon la vidéo va durer 3 heures et on va pas faire une vidéo qui dure non plus 3 heures. Donc du coup voilà. Donc j'ai répondu à ta question et GG pour les 1000 abonnés. Merci, 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 merci. C'est grâce à vous que je suis déjà à 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir. Je voulais vous dire aussi, ça me touche au cœur. Tous les commentaires que vous me laissez, des fois il y a des commentaires que ça me fait super plaisir. T'es mon youtubeur préféré, t'es mon premier youtubeur préféré, ou t'es mon deuxième, ou je t'aime bien. Ça, les commentaires comme ça me fait super plaisir. Ça me touche vraiment. Ça me fait chaud au cœur. Donc merci à vos commentaires. Bien sûr, je voulais vous dire merci, bien sûr, aux 1000 abonnés. Donc ça me fait chaud au cœur aussi, ça. Donc grâce à vous, merci. Donc n'oubliez pas aussi, je voulais, comme je suis à 1000 abonnés, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et Facebook. C'est mes deux pages où je mets des informations, comme les informations sur les DLC, comme on a eu là, les mises à jour, la mise à jour qu'on a pu sur PS3 et Xbox 360. Donc tout est dans la description. Allez me rejoindre, c'est pas compliqué, ça mange pas du pain, comme on dit. Donc vous marquez Superflow sur Facebook, officiel. Et vous allez me retrouver. Et sur Twitter aussi, vous pouvez me trouver sur Instagram aussi. Mais venez me rejoindre sur Facebook et Twitter, ça me fera super plaisir. Sur Facebook, si on peut dépasser la barre des 300 abonnés, parce que je suis à 349, je crois, abonnés. Ou 360, je sais plus. Si on peut dépasser les 1000 abonnés aussi sur. Oui, les 1000 abonnés sur Facebook, ça me fera super plaisir. Et aussi sur Twitter. Donc à vous de jouer, les gars. À vous de jouer avec la souris. À vous de aller sur Facebook, Twitter. Et de me suivre partout, les gars. Donc je vous compte là-dessus, je compte à vous. Et la dernière question de monsieur qui conduit, qui est parti faire de la colline, qui est parti monter sur la montagne, à Naruto. Donc son logo c'est Naruto, mais il s'appelle Naruto. Oui, Naruto. Désolé parce que je dis Naruto, mais c'est Naruto. Uzumaki. Uzumaki. Ferais-tu des vidéos sur Next-Gen? Comme j'ai dit, oui, je veux faire des vidéos sur Next-Gen, comme la Xbox One. Le souci pour le moment, j'ai rien pour filmer. Sauf si vous m'achetez un AvarMedia, non, je rigole, je déconne bien sûr. Bah si, oh, on va s'exploser. Oh, bien joué. N'oubliez pas de laisser une petite note sur sa conduite, parce que c'est lui sa dernière question. Donc, dédicace à lui. Dédicace à tous les YouTube, à tous les youtubeurs qui font des vidéos aussi, dédicace à tous les abonnés et dédicace à moi-même. Et donc du coup oui, bah, je ferai des vidéos sur Next Gen si je trouve un AvarMedia ou si je trouve un moyen pour faire des vidéos, ça me fera super plaisir. Et pour le moment, j'arrive pas à trouver GTA, j'ai fait tous les magasins comme Micromania ou voilà, et j'ai du mal à trouver GTA parce qu'ils n'en ont plus pour le moment, parce que occasion ils n'en ont plus. Sinon, neuf, il est à 70 euros et j'ai pas envie de payer 70 euros parce qu'il faut que je garde des sous pour mon code. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est à la fin de cette vidéo. Il est en train de s'amuser à faire de la glissade. Comme d'habitude, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, Skype. Tout est dans la description. M'ajouter sur Skype. Et du coup, voilà. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser un petit j'aime sur ma vidéo. Laissez des petits commentaires. Désolé. Si désolé si par exemple si j'ai modifié un peu votre pseudo, si j'ai du mal un peu à les prononcer, je suis vraiment désolé. N'oubliez pas de laisser un petit nom sur sa chaîne. Je sais pas s'il va descendre. On va l'appeler. Viens là toi. Toi viens là. Toi viens avec moi. Là. Toi. Ici. Voilà, il a compris. Donc il a compris, c'était la fin de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime pour sa conduite. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis
à très vite. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de faire comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et posez des questions pour les FAQ des 1000... les 1000 abonnés. FAQ pour les FAQ quêtes. Allez, moi, je vous dis bon game et à très vite. Salut, bye bye. Et on va lui mettre une patate. Allez. Juste pour la fin de la vidéo. Allez, allez. À qui c'est qui va gagner? Eh oui. Regardez qui c'est qui va gagner. C'est Superflo, bien sûr. Eh oui, j'ai gagné, les gars. Eh non, je rigole. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Allez, salut.